Merci Julien d'avoir accepté de répondre à mes questions sur les anticoagulants dans les prothèses de genoux. Alors, le problème de la chirurgie et le paradoxe de la chirurgie prothétique, c'est qu'on coupe de l'os à des endroits où les os sont des véritables éponges de sang, donc c'est une chirurgie hémorragique. Et c'est tout le problème. Et le vrai paradoxe, c'est qu'on bombarde les patients d'anticoagulants post-opératoire pour qu'ils ne fassent pas de phlébite. Et alors, du coup, ils font des tas d'hémarthroses, des tas d'hématomes, des tas de problèmes, avec la bénédiction de tout le monde, puisque ça pose de problème à peu de monde, à part les chirurgiens et les patients. Et donc, quand on met des anticoagulants en post-opératoire, ben, il faut pouvoir en permanence peser le pour et le contre entre le bénéfice des anticoagulants et les inconvénients des anticoagulants. Donc, balancer le risque vasculaire et le risque fonctionnel, finalement, lié aux anticoagulants. Alors, le problème, c'est que dans le monde moderne, maintenant, il y a beaucoup de monde dans la chaîne. Et autour du patient, il y a le chirurgien, l'anesthésiste, le médecin traitant, le médecin rééducateur, le cardiologue, le phlébologue, etc. Et que dans tout cet environnement, ben, finalement, il n'y a pas beaucoup de monde qui pèse bien le pour et le contre. C'est-à-dire que, généralement, à part le chirurgien, tout le monde voit plutôt, met le curseur sur le côté des anticoagulants et pas tellement sur le côté de la récupération fonctionnelle. Finalement, les seuls vraiment intéressés à la récupération fonctionnelle, c'est un peu le chirurgien et le patient. Donc, du coup, ça nous pose parfois des problèmes. Et c'est pas complètement, académique parce que, dans la littérature sur les anticoagulants, quand on parle de complications, ben c'est la mort ou une hémorragie cérébrale ou une hémorragie intra-abdominale. Mais c'est pas ça le vrai problème pour les patients. En post-opératoire, c'est les petites hémarthroses qui leur pourrissent la vie parce que ça empêche la rééducation, ça compromet le résultat fonctionnel de la chirurgie. Et donc, ce n'est pas une décision anodine d'augmenter les anticoagulants quand il y a une prothèse de genou. Parce qu'on peut avoir des trucs comme ça, on peut avoir des hémarthroses qui sont dramatiques, on peut avoir des nécroses de peau. Donc, ça pose quelques petits problèmes parfois. Donc, j'aimerais bien demander d'abord à Julien, est-ce que c'est vrai que de nos jours, il peut y avoir des phlébites et des embolies pulmonaires après la chirurgie prothétique du genou ou de la hanche. Alors oui, c'est pas un mythe, je suis désolé Michel. Donc il y a quand même une petite base à ces choses-là. Alors il faut dire effectivement que dans les années 80, là il y a une publication qui est un peu connue dans le New England, on s'amusait à regarder si après une prothèse de genou ou de hanche, on mettait soit rien du tout, soit des heparines à patient, ce qui se passait. Effectivement, là, il n'y a personne qui peut le renier. Il y a des phlébites qui sont des phlébites proximales, donc en plus assez graves, avec des embolies pulmonaires et certaines qui sont fatales. Et donc, effectivement, c'est ces publications dans les années 80 et fin du 20e siècle qui ont permis à établir des guidelines et qui ont dit, voilà, après la chirurgie prothétique en orthopédie, on ne peut pas ne rien faire, il faut empêcher ces événements. Et donc, c'est là qu'on s'est mis sur les grosses études à établir des recommandations, entre autres en France, de prescription d'héparine. Mais dans les années 80, le premier levé, c'était au cinquième jour. On gardait les gens hospitalisés une semaine. Et quand on réussissait à leur faire mettre un pas devant l'autre, on était content. Ils sortaient dans le couloir au bout de 15 jours. Alors Et c'était quand même une chirurgie lourde. les choses, elles ont évolué, effectivement. Donc la Et on a l'impression littérature, que les recommandations de la Société française d'anesthésie-réanimation sont restées figées, finalement, sur ces années-là. Alors, les choses ont évolué. Donc, puisque si on regarde la littérature un petit peu plus récente, déjà on sait que les pratiques ont évolué en chirurgie et puis sur la réhabilitation des patients, effectivement. Et puis effectivement, quand on regarde maintenant, on a une littérature assez abondante, qu'un gros recul, et entre autres des grosses méta-analyses qui, en prenant des séries de presque plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de patients, ont montré qu'effectivement, de nos jours, l'incidence des embolies pulmonaires, effectivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus exceptionnel. Donc, on trouve des chiffres de l'ordre de 1 à 2% selon que ce soit de la PTH ou de la PTG. Et puis, effectivement, sur les chiffres de décès après ces embolies pulmonaires, là, il y a une grosse série qui a été publiée tout récemment. On est de l'ordre de 0,02% de décès suite finalement à une embolie pulmonaire après ces chirurgies. Donc, c'est vrai que dans la pratique, nous-mêmes, on le voit heureusement, mais toute la littérature qui a permis effectivement de faire des recommandations, elle est encore un petit peu en décalage. Et effectivement, il semblerait qu'il y ait des choses qui soient en train de changer. Oui, parce que maintenant, les prothèses de genoux, on met plus de drain, on les fait marcher le soir de l'intervention, ils plient tout de suite. Donc, ça n'a rien à voir avec la chirurgie qu'on faisait il y a 15 ans ou 20 ans, hein, bien sûr. Effectivement. Alors, deuxième question, c'est comment est-ce qu'on empêche les phlébites en 2017 en France? Alors les recommandations françaises, c'est vrai qu'effectivement, elles sont souvent émises par les sociétés d'anesthésie-réanimation parce que c'est eux qui essayent de faire un petit peu un panel de toutes les chirurgies. Et sur l'orthopédie, le sujet qui est le plus concerné, donc c'est la prothèse de genou et prothèse de hanche. Donc là, on parle surtout de genou. Les moyens médicamenteux qu'on utilise en France, donc historiquement, ce sont les héparines de bas poids moléculaire. Donc là, il y en a différents types. Et puis depuis un peu plus de 5 ans, on a des nouveaux anticoagulants qui sont arrivés, ce qu'on appelle les NACO ou AOD, anticoagulants directs ou nouveaux anticoagulants oraux.
Donc c'est tout ce qui se finit en ban, l'épixaban, rivaroxaban par exemple. Ces molécules, alors l'HBPM, il y a beaucoup de recul, donc on va dire que sur la sécurité en termes d'événements hémorragiques, c'est des molécules qu'on connaît et qui semblent plutôt à peu près fiables. Sur les nouveaux anticoagulants, il semblerait qu'il y ait une meilleure efficacité sur la prévention de la phlébite, mais pour certaines molécules, il semblerait qu'il y ait par contre un surrisque hémorragique. Alors c'est pas qu'il semblerait, c'est vrai. Hein. On est en train de voir des choses. Le Pradaxa, tu fais partir un patient sous Pradaxa et au bout de 3 jours, le seul problème, c'est que les anesthésistes sont disciplinés, donc font des belles études et étudient bien les événements. Et puis les chirurgiens, eux, parlent toujours de leur expérience. Et en fait, on est en train seulement de parler de registres. Non, mais je dis dans ton sens. En fait, on est en train de voir. Il y a des registres qui sont en train d'être faits de plus en plus, entre autres par la société d'anesthésie, où effectivement, il semblerait que sur certains de ces médicaments, il y ait, avec des timings parfois variables, des surrisques hémorragiques. Et il y a des centres qui s'étaient mis à ces molécules, hein, que ce soit dans la région ou même au niveau national, qui reviennent un petit peu en arrière. Il y a d'autres moyens. Pour l'industrie pharmaceutique ou pour un investigateur médical, un patient qui a un gros genou, qui va avoir un genou raide toute sa vie, qui ne va pas récupérer, ce n'est pas une complication. Ce sont des événements qui ne sont pas reportés. C'est un traitement sans complication. Donc c'est bien ça le problème, c'est que ces choses-là, souvent, ne sont pas publiées, ne sont pas reportées et ne sont pas prises en compte, effectivement, quand des recommandations sont faites. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a souvent ces données qui manquent. Alors il y a d'autres moyens aussi non médicamenteux de prévenir les phlébites. Alors il y a le bas de contention historique. Alors le bas de contention, finalement, on a toujours dit, on met ça, des fois on met que ça, même comme moyen de prévention. Mais il semblerait qu'en fait, ce soit vraiment une grosse légende. Alors, mais tu veux dire, ça fait 25 ans que quand on fait le tour, tous les soirs, les patients nous disent, docteur, je peux enlever mes bas, s'il vous plaît, ça me fait trop mal. Et qu'on leur dit non, vous gardez vos bas, qu'on les oblige pour rien. Et bien là, il y a eu tout récemment une grosse publication européenne qui a fait un peu tout l'historique de la littérature là-dessus. Et visiblement, le bas de contention tout seul, en fait, ne serait pas un moyen suffisant pour prévenir la phlébite. Bon, donc ça, c'est des choses qu'on est en train de voir. Par contre, il y a un moyen dont on ne parle pas trop finalement, mais qui serait, lui, apparemment, le seul reconnu comme correctement efficace, c'est ce qu'on appelle les compressions veineuses intermittentes. Donc c'est cette machine que vous voyez en photo. En fait, on met une espèce de grande attelle un peu autour du patient avec des longueurs différentes. Soit ça prend tout le membre inférieur, soit que la jambe, soit autour du genou. Et en fait, ça comprime un petit peu le genou. Et par contre, ce moyen-là, je crois Michel tout en parlait, il est retenu comme la Société américaine d'orthopédie, comme soi-disant le seul moyen actuellement réellement efficace. Les guidelines de l'Académie américaine, c'est que le seul moyen reconnu comme vraiment empêchant les phlébites, c'est la compression veineuse intermittente. Donc en clair, on fait peut-être beaucoup de choses, finalement, par habitude, par tradition, sans forcément le savoir. Et puis il y a des choses qui sont recommandées, mais finalement, parce qu'on va peut-être focaliser sur un événement, la phlébite, l'embolie, mais sans peut-être se préoccuper d'autres choses comme les hématomes dont tu parlais. Oui, mais alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un pays à l'autre, ça change. Moi, j'ai des copains chirurgiens au Royaume-Uni. Maintenant, ils ne veulent plus venir prendre leurs vacances en France parce qu'ils ont peur qu'on les mette sous anticoagulants quand ils passent la Manche. On a la réputation d'être les prescripteurs d'anticoagulants de la moitié des anticoagulants mondiaux. Alors, donc, j'ai pas de chiffres, donc moi, on m'a pris nos data, nos blabla, mais il semblerait qu'effectivement... Non, effectivement, il faut déjà se rendre compte qu'on a des pratiques en France qui sont franco-françaises, il y a des pratiques européennes qui sont différentes, et surtout dans le monde, il y a encore plus de différences. Par exemple, traditionnellement aux États-Unis, jusqu'à encore 15-20 ans, en post-opératoire d'une PTG, on mettait des AVK en post-opératoire à tout le monde. Les héparines, ils ne connaissaient pas. Ils sont mis seulement depuis 15-20 ans aux HBPM, et là, maintenant, ils commencent à voir, chose qui risque d'arriver en Europe, qui est en train d'arriver, à utiliser l'aspirine. Enfin, les plus gros centres d'arthroplastie aux États-Unis et en Angleterre, on met que de l'aspirine. Voilà, donc ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Les sociétés savantes européennes commencent à s'intéresser à ça. Et là, il y a effectivement des publications qui montrent que pour certains patients après prothèse de genou, donc en clair, c'est des patients qui sont capables de se lever très tôt, de déambuler vite, qui n'ont pas de facteurs de risque. Entre autres, on sait qu'il y a quand même des choses qui visiblement favorisent la survenue de phlébite, des patients obèses, des patients qui vont avoir un alitement un petit peu exagéré, ou des patients avec d'autres pathologies médicales. Ces patients-là, clairement, on va rester sur des schémas certainement plus traditionnels, mais il y a des patients, et en prothèse de genou, il y en a quand même de façon non négligeable, des patients à qui on pourra mettre des molécules un peu moins à risque de saignement, et puis surtout aussi avec des durées et des façons d'injecter différentes, parce qu'actuellement, on est encore sur des recommandations, par exemple, sur la PTH de 40 jours d'HBPM en post-opératoire, et sur la PTG de 30 jours, et donc on est en train certainement d'aller vers un raccourcissement des durées. L'équipe de Frank Ørsted à Copenhague, c'est l'équipe leader dans la réhabilitation accélérée après prothèse de genou. C'est ceux qui ont tout déclenché dans le monde. Ils ont fait des études prospectives, randomisées, 3 jours d'anticoagulants versus 1 mois d'anticoagulants après prothèse de genou. Pas de différence de taux de phlébite, pas de différence de taux d'embolie pulmonaire. Donc maintenant, la règle au Danemark, c'est 3 jours d'anticoagulants. Ils arrêtent les anticoagulants quand les patients sortent de l'hôpital. Alors, il y a de plus en plus de publications dans ce sens-là. La seule chose, c'est qu'actuellement, malheureusement, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans son coin. Et donc, on reste quand même un petit peu
des fois par des pressions un peu médico-légales, il faut l'avouer, stimulés à suivre les recommandations de nos sociétés savantes. Tu veux dire que c'est nous, on est prisonniers de vrai l'ASFA actuellement? Pas que l'ASFA, parce que Oui, ce n'est mais pas la seule société qui alors recommande justement, ça. vous voyez là, il y a écrit Aspirine, Société européenne d'anesthésie. Les recommandations ont sorti la semaine dernière. Non, non, tu as changé ma publication, c'était l'EJA, c'est le European Journal of Oui, mais Anesthesiology. c'est l'organe de la Non, il y a pas société. c'est pas la société européenne qui l'a Eh bien, écrit, c'est le Journal ils européen recommandent. d'anesthésie. Bon, mais en tout cas, on est d'accord tous les deux pour dire qu'il y a des recommandations qui sont basées sur des choses un petit peu anciennes. On est dans une période d'évolution, et ça, je ne suis pas du tout en contradiction avec toi, mais effectivement, on est certainement dans la période où le changement est en train de se faire. Voilà. Mais ce n'est pas encore une recommandation. Et alors, est-ce que c'est vrai que sur le plan général, les anticos, ça a des complications? Ah oui, ben ça, on ne peut pas dire le contraire. Alors là, on parle déjà simplement d'anticoagulants donnés à dose préventive. Et ben on sait que, par exemple, un patient sans anticoagulant, et ça s'était vu dans des études un peu anciennes, hein, versus sans anticoagulant, il y a plus d'anémie post-opératoire, il y a forcément un risque de transfusion qui est augmenté. Et une anémie post-opératoire, ben ça a quand même des conséquences, puisqu'un patient avec une hémoglobine un peu basse, lorsqu'il va se lever, va peut-être faire des hypotensions, du coup, il ne va pas réussir à bien faire ses premiers levés les jours suivants. Et puis également, au niveau local, ça a été mieux placé que moi pour en parler, il y a clairement ben, des conséquences de l'hémarthrose post-opératoire, c'est générateur de douleur, donc c'est des patients qui ont plus mal, ben, du coup, on leur met plus de morphine, du coup, ils peuvent moins bien se lever, ils se réhabilitent moins bien. Et puis également, ben, potentiellement, ces hématomes, ça peut être la source des sepsis. Alors ça, c'est des choses pareilles. On suppose que, parce que les gens en parlent, on n'a pas de publication chirurgicale sur ces choses-là, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de patients, heureusement. Mais en tout cas, clairement, c'est des choses qui peuvent avoir des conséquences assez dramatiques pour les patients. J'ai lu tout à l'heure les publications de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui estime la mortalité par AVK annuelle en France entre 5 et 17 000. 5 et 17 000 morts par Alors, an ces aux chiffres, c'est anticoagulants. effectivement sur les C'est patients qui sont sous incroyable quand même. anticoagulants au long cours. Alors, on peut passer, je pense, directement à la question suivante. Ça, c'est le problème des patients sous anticoagulants au long cours. Donc, clairement, on va dire, le cas typique, c'est tous les patients en France qui sont arythmiques, qui sont sous AVK ou actuellement nouveaux anticoagulants oraux. Ces patients, ça pose des soucis. Déjà, en dehors du fait qu'il y ait des complications lors d'une chirurgie orthopédique potentielle, c'est effectivement un nombre de décès non négligeable. Hein. Clairement, le patient, il tombe dans la rue, il a un risque d'hématome soudural aigu bien plus élevé qu'un patient lambda sans antico. Mais ces patients, surtout quand on va les opérer, quand on parle ici de la prothèse de genou particulièrement, c'est assez compliqué. Ces patients-là, bien entendu, on ne peut pas les opérer sous AVK maintenu. Autant on peut faire des chirurgies avec de l'aspirine éventuellement maintenue. C'est quelque chose qui est possible. Sous anticoagulant type AVK, ça n'est pas possible. Donc, on va devoir nous faire tout un relais. Donc, quand on voit ces patients, par exemple, en consultation d'anesthésie, on les voit souvent plusieurs semaines avant pour un peu anticiper les choses. On doit arrêter ces médicaments avant. Et on avait un peu une tradition qu'on nous a tous appris il y a encore 10 ans en fac de médecine. C'était toujours de faire un relais par des HBPM. Et bien, ça, c'est terminé. Donc, là, depuis à peu près 2-3 ans, il y a des recommandations de la Société française de cardiologie. Et c'est quelque chose qui est fait là, de façon assez internationale. C'est que maintenant, on arrête souvent un AVK et on ne fait pas un relais, un recouvrement par des HBPM. Donc, on va typiquement arrêter les molécules 3 à 5 jours avant selon la cinétique de la molécule. On ne va pas faire d'HBPM en relais. On va faire un INR de contrôle généralement 48 heures avant le geste. Et après, quand le patient sera opéré, il aura simplement éliminé son AVK pour être isocoagulé, on va dire, au moment du geste. Après, qu'est-ce qui se passe pour la reprise? Alors là, la reprise, c'est un gros flou, puisqu'en fait, chacun fait un petit peu sa petite sauce dans son centre. Il y a des gens qui disent qu'il faut reprendre l'AVK immédiatement à 48-72 heures après le geste, parce qu'on a peur que le patient fasse une embole dans son cerveau, un AVC. Et puis après, il y a des centres plus prudents, où on se rend compte que ben, cette reprise d'AVK, elle est souvent associée à des problèmes d'hémorragie au Mais niveau attention, local. il est sous HBPM en post-op. Voilà. Alors le patient, en fait, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on se dit, il y a des HBPM en post-op qui, les premiers jours, sont à des doses préventives, mais en fait, on sait que un patient en arythmie, si pendant à peu près 10 jours on arrête ses anticoagulants, il reprend un risque de faire un AVC qui n'est pas négligeable. Donc en fait, ce qu'on fait nous actuellement, c'est qu'on fait une augmentation un peu progressive sur 5-6 jours après le geste chirurgical. Mais par contre, on ne va pas reprendre immédiatement et très tôt les anticoagulants type AVK. Et on attend généralement entre 10 et 20 jours pour les reprendre. Et sur cette façon de les reprendre, là, pareil, il y a des choses qui sont en train de changer. On nous a tous appris qu'il fallait, lors d'une reprise d'anticoagulants avec un relais par HBPM, faire deux INR successifs entre 2 et 3, des INR espacés généralement de 3-4 jours. Si on regarde ça sur un calendrier, on se retrouve avec des gens qui, des fois, pendant 6 à 8 jours, ont à la fois une pleine dose d'HBPM, donc à dose curative, et une pleine dose d'AVK. Donc en clair, les gens, ils sont hyper décoagulés. Et bien typiquement, c'est ces patients-là qui reviennent, généralement à J15 ou J20, avec des hématomes qu'on doit reprendre. Donc ça, il y a des publications qui le montrent très bien. Par exemple, pour des PTH, les patients, lors de la période de relais, il y aurait apparemment presque la moitié des patients qui feraient un hématome à reprendre. Et donc là, on tend plutôt vers le fait d'arrêter
les injections d'anticoagulants et de reprendre la VK après, mais de ne plus faire de perte de juxtaposition. Donc ça paraît, c'est des choses qui sont nouvelles, comme l'arrivée de l'aspirine en prophylaxie, et on est en train de se rendre compte qu'il y a certains eu de l'excès pendant des années de juxtaposition de ces Donc, molécules dire et que plus de c'était pas chevauchement, quoi. nécessaire de Hein, c'est ça. chevauchement. Ouais, Voilà ce qu'on appelle les d'accord. relais, quoi. Ouais, Voilà. d'accord. Okay. Et alors, et un autre problème, c'est que moi j'ai l'impression que la moitié des Français de plus de 70 ans sont sous Plavix ou aspirine ou Aspegic plus Plavix. Modifier Qu'est-ce que vous, alors, moi dans ces cas-là, mais j'écris au cardiologue avant pour négocier avec lui, pour lui expliquer que c'est grave le de reprendre tout de suite du Plavix après avec des anticoagulants, sinon et c'est toujours une négociation importante. Hein. Et alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, le Plavix, déjà, on ne peut clairement pas opérer un patient sous Plavix. Là, il y a un consensus, que ce soit en orthopédie ou d'autres chirurgies, il n'y a quasiment aucune chirurgie qui peut se faire sous Plavix, à part peut-être certaines chirurgies dermato ou éventuellement au niveau de l'œil, au segment antérieur. Par contre, on peut opérer un patient sous cardégique. Donc, en clair, le mieux, effectivement, pour le patient, c'est de ne pas l'opérer sous aspirine ou cardégique, puisqu'on sait qu'il y a des séries, là je t'en ai parlé, qui ont montré que par exemple ces patients ils ont plus de suintement de cicatrices, ils ont parfois un peu plus de baisse de leur score d'hémoglobine. Mais si le cardiologue, après une discussion, nous dit que ben voilà, ce patient-là, au niveau coronarien, il a eu un stent qui a été posé récemment, ou alors il a fait des récidives d'infarctus d'angine de poitrine, on recommande fortement de maintenir le cardégique, ça par contre c'est possible. Donc là on a aussi du recul là-dessus. On sait que les patients opérés sous cardégique à distance, ils font pas plus de sur-risque transfusionnel, de sur-risque hémorragique, et qu'à part un risque hémorragique local, finalement, en termes de pronostic fonctionnel, la série dont je te parlais montrait qu'à distance, ces patients-là, il n'y a pas de grosse différence. Donc, ça pose des petits soucis au niveau local sur le moment de la chirurgie, d'opérer un patient d'une prothèse de genou sous aspirine, mais par contre, à distance, il semblerait que ça ne pose pas de soucis. Par contre, un patient sous aspirine à qui on va mettre un anticoagulant post-opératoire, ben là, bien entendu, c'est du bon sens. On se doute qu'il y a un surrisque. Et chez ces patients-là, on sera peut-être un peu plus prudent sur les doses ou les durées d'anticoagulants préventifs qu'on leur mettra. Ok, donc rien n'est si simple finalement. Eh ben non. Donc en tout cas, vous avez compris que les choses évoluent, que les recommandations officielles des sociétés scientifiques ont évolué. Visiblement, depuis des années, on avait un excès thérapeutique du côté de la prévention. Et tout évolue un petit peu vers un protocole un petit peu plus rationnel, un petit peu plus adapté aux patients. Ce qui est hyper important, c'est que tout le monde reste en bon contact et qu'il y ait une communication et une collaboration étroite entre les chirurgiens, l'anesthésiste, le cardiologue, le phlébologue, le médecin traitant. C'est absolument fondamental. Et qu'il faut bien penser que le réflexe post-opératoire, ça ne va pas être d'augmenter les anticos dès qu'il y a le moindre suspicion de phlébite périphérique. Dans les pays anglo-saxons, on ne traite pas une phlébite sous le genou, on ne cherche même pas une phlébite sous le genou. Alors que nous, on a tendance à traiter les phlébites sur le genou, parfois avec des doses curatives. Et nous, les seuls problèmes qu'on a eus sur des prothèses de genou dans les 5 dernières années en termes de récupération d'amplitude, ça a toujours été la même chose. C'est un patient qui, un dimanche, a le mollet un peu gonflé, l'infirmière fait faire venir le phlébologue, il y a un doute sur une phlébite, il double les anticoagulants dans le week-end et après, tac, le patient fait une hémarthrose. Et après, il récupérera plus jamais, il récupérera jamais une aussi bonne flexion. Donc, c'est très lourd de conséquences pour le patient. Et donc, c'est des décisions qui doivent être pesées et raisonnées. Il y a une vraie discussion pour chaque patient et chaque type de chirurgie à avoir. Effectivement, ensemble, on ne peut plus faire les choses chacun de son côté. Et puis surtout, c'est qu'apparemment, on ne va plus avoir dans l'avenir, et que ce soit pour l'anticoagulation ou d'autres choses, des protocoles un peu systématiques. On ne va plus pouvoir dire on met la même chose à tout le monde. On le voit déjà par exemple chez les obèses, c'était quand même illogique, il y a encore 5 ou 10 ans, on mettait les mêmes doses à des obèses qu'à des personnes de 40 kilos après une PTG. Ben là, déjà, il y a quelques années, on a commencé à dire qu'on mettait des doses différentes chez les obèses. Et bien là, c'est pareil, on va peut-être pour la prothèse de genou, selon la réhabilitation du patient, et bien adapter les protocoles, et ce sera certainement une bonne chose. Ça sera un gros progrès. Merci. Alors, effectivement, on va avoir des prothèses maintenant individualisées, donc il faudrait qu'il y ait des traitements anticoagulants individualisés également. Donc, je vous remercie tous les deux d'avoir joué le jeu. Si vous êtes d'accord, vous allez lever le bras tous les deux. On fait match nul.